création du parc national intervient le 12 décembre 1963. On doit cette création à l'énergie de deux personnes qui ont marqué ce moment. La première, c'est Madame Henry, qui, dans une posture visionnaire, a souhaité que le parc national soit créé. La deuxième personne, c'est André Malraux, qui avait une attache particulière avec la ville de Hyères et qui a beaucoup agi pour que ce parc soit créé. Un élément stratégique dans ce parc, ça a été une création très rapide d'un conseil scientifique dès 1964, ce qui a permis une collaboration efficace entre les scientifiques, les gestionnaires et l'État. Le conseil scientifique est un point clé pour faire remonter de l'information au conseil d'administration qui, lui, ensuite prendra les décisions permettant une bonne protection et une bonne gestion de l'environnement. Les premières missions scientifiques, d'ailleurs, éclaireront ou conforteront l'idée, le choix de créer un parc national sur l'île de Porquerolles, à la fois à terre et en mer, en mettant en évidence la richesse biologique de ce territoire, qui finalement, au moment de sa création, était assez mal connue. Et on peut dire que la création du parc sur l'île de Porquerolles a été essentiellement guidée par la qualité du paysage, par la qualité des ambiances, par l'insularité aussi sur ce territoire, une île proche du continent. Le conseil scientifique va orienter la politique du parc national dans l'acquisition de données nécessaires à sa bonne gestion. Et c'est le commandant Taliez qui, le premier, a mis en place des suivis scientifiques. Le président Georges Pompidou entend dire que l'île de Porquerolles est en vente et que l'un des repreneurs, c'est un gros consortium allemand associé avec le club Méditerranée qui envisage un projet de développement touristique important sur l'île. Et voyant une menace évidente sur la qualité de ce site, sur la possibilité d'y maintenir un accès public, l'État décide de se porter acquéreur et achète 1000 hectares sur les 1200 que comporte l'île. Comme le parc national de Porquerolles existait déjà depuis 10 ans, les pouvoirs publics de l'époque décident de confier la gestion de ce nouveau domaine de l'État au parc national de Porquerolles. Dans les années 75-80, le parc met en œuvre sur l'île de Porquerolles une politique très engagée de restauration du patrimoine bâti et des travaux importants ont été conduits sur le fort du Moulin, sur le fort de l'Estissac, sur le fort de Portmans à l'est de l'île. Considérer que la première vocation d'un parc national, c'est de faire vivre un territoire, de l'animer dans le respect de ce qu'il est profondément, c'est-à-dire de ce qui le compose aujourd'hui. Et donc une première équipe de 4 agents permanents a été installée sur l'île. Mais au-delà de la présence humaine, ça a été aussi la mise en place de l'ensemble des infrastructures qui sont toujours aujourd'hui les mêmes, et puis les moyens à la mer, puisque avant cette période-là, la dimension marine était très peu couverte en termes de présence par le parc, puisque nous n'avions pas de moyens. Et on peut considérer que le parc ayant été créé en 63, c'est dans les années 80 qu'il prend vraiment forme et qu'il commence à vraiment rentrer dans l'action. Tous les 3 ans ont lieu des recensements de population de mérou autour de l'île de Porquerolles. En 1973, on comptait seulement 4 individus autour de l'îlot de la Gabinière. Et le dernier recensement de 2011 nous a permis de compter plus de 700 individus autour de l'île. C'est un réel succès de conservation de cette espèce. C'est dans ce moment-là, je dirais presque de la naissance du parc sur l'île, que les premières réalisations marquent le territoire. Il est installé le premier sentier sous-marin en Méditerranée, qui est un circuit que l'on peut faire en apnée pour la découverte des petits fonds marins. Le port est confié aussi à la gestion du parc. C'est la porte d'entrée au fond du parc national sur l'île de Porquerolles. En 1979, est installé sur l'île de Porquerolles le Conservatoire botanique national méditerranéen, qui est une structure dont la vocation est la conservation de la flore sauvage de notre pays. Et la vocation du conservatoire est donc d'identifier, récolter
ces plantes menacées et de les conserver sur l'île de Porquerolles en constituant une banque de semences qui est aujourd'hui riche de près de 2000 espèces. Et on peut dire que finalement le rapprochement entre un parc national et un conservatoire botanique aura amené le parc national peut-être un peu à l'avant-garde d'un certain nombre d'interventions, d'aménagements en termes de génie écologique, de lutte contre les espèces envahissantes. Dans le même cadre, sont installées sur l'île un certain nombre de collections variétales, de collections fruitières, espèces de terroirs. Et ces collections, une partie de ces collections, collections d'oliviers, collections de figuiers, collections de pêchers, sont aujourd'hui collections d'intérêt national. Le parc national, du fait de l'antériorité de sa création, premier parc marin en Europe, fait un peu figure de grand frère par rapport à d'autres espaces protégés, notamment de pays du pourtour méditerranéen et de pays du Sud. Et en 1990, le parc national s'engage dans la création avec l'IUCN et la Banque mondiale, dans la création d'un réseau de gestionnaires d'espaces protégés qui s'appelle MEDPAN, Mediterranean Protected Areas Network, donc le réseau des gestionnaires d'espaces protégés, qui dans le cours du temps s'est vraiment a trouvé une assise jusqu'à regrouper près de entre 15 et 20 pays sur les 21 que comptent aujourd'hui les rivages méditerranéens. L'introduction d'espèces est un problème environnemental majeur. Dans le parc national de Porquerolles, dès 1994, on a découvert la présence de Caulerpa taxifolia, qui est une algue invasive. Le parc a mis de suite en place des moyens pour pouvoir contrôler cette algue, et donc avec des campagnes annuelles d'arrachage et de prospective pour déceler sa présence. À l'heure actuelle, on peut dire que dans le parc, Caulerpa taxifolia est absente. Dans un site à fort enjeu de conservation, comme un parc national, il est important de mettre en place des moyens de contrôle de ces espèces envahissantes. En effet, on estime que dans le monde, les espèces envahissantes sont la troisième cause de perte de biodiversité. Le parc, dès les années 80, commence à engager un dialogue avec un certain nombre d'usagers de l'espace. Et ça aboutit à l'instauration d'une charte de plongée, qui est au fond la production collective négociée d'un code de comportement, d'un code de conduite, que les plongeurs s'imposent de respecter dans une sorte de démarche volontaire. Cette démarche, finalement, là aussi, inspirera et fera école, sera élargie à d'autres usagers, les pêcheurs professionnels, les plaisanciers. En 1999, un sanctuaire marin a été créé en Méditerranée pour la préservation des cétacés. C'est le sanctuaire Pélagos. En 2000, l'État français a confié au parc national de Porquerolles l'animation de la partie française de ce sanctuaire. Ce sanctuaire est situé entre l'Italie, Monaco et la France. L'espace parc est aussi un espace repère, un espace de référence. Et dans cette logique-là, les îlots de Porquerolles, l'îlot de la Gabinière, l'îlot du Rascasse et l'îlot de Bagot ont été classés réserves intégrales, ce qui suggère que l'accès y est interdit. Et ce sont vraiment des espaces sur lesquels on entend dans l'avenir évaluer, mesurer l'évolution de l'espace, de la biodiversité, en dehors des atteintes des activités humaines. À Porquerolles, on a pu observer un effet réserve significatif avec un effet refuge qui se traduit par une augmentation de la biodiversité, du nombre d'individus, de la biomasse, mais également qui se traduit par un effet d'exportation. C'est-à-dire que Porquerolles va exporter vers l'extérieur des individus, de poissons, mais également des larves, des œufs, ce qui va permettre aux régions voisines de tirer un bénéfice de cette zone préservée. Sur le continent, un nouvel espace qu'on appelle l'aire potentielle d'adhésion,
qui couvre 11 communes du littoral entre Lagarde et Ramatuelle. L'île de Porquerolles conserve son statut de parc national, de cœur de parc, hein, selon la nouvelle formulation. L'île de Porquerolles et 600 mètres d'espace marin qui l'entoure. Et les parties naturelles de l'île de Porquerolles, propriété de l'État, et 600 mètres de mer autour de Porquerolles sont aussi cœur de parc. L'objet de cette réforme, c'est d'associer à ce projet collectif l'ensemble des acteurs du territoire dans la recherche de plus d'efficacité environnementale, de plus de performance en termes de développement durable sur l'ensemble du littoral, et dans une sorte d'attention particulière aussi à s'assurer que le développement des activités sur le littoral, l'évolution de l'économie et des pratiques humaines soit conforme ou en tout cas ne remette pas en cause, voire contribue à une meilleure protection et une meilleure valorisation des cœurs du parc, donc des îles d'hier. Donc 2013 marque le 50e anniversaire du parc. 50 ans, c'est à pleine maturité. Bon, par rapport au temps de l'évolution, c'est pas beaucoup. Ce que je pourrais en conclure, c'est qu'au fond, la démarche d'aujourd'hui engage beaucoup plus les territoires et ceux qui y vivent. Le parc national n'appartient à personne et il appartient à tout le monde. Chacun doit en être responsable. Et qu'au fond, la vocation du parc, la mission essentielle, c'est de transmettre comme un patrimoine, et j'aime bien le terme de patrimoine parce que le patrimoine, c'est précisément ce que l'on transmet, ce qu'on vise à transmettre, c'est de transmettre dans l'avenir un espace qui aura gardé toute sa qualité.